Bonjour le roi diamant. Donc je vais partager avec vous des principes à nouveau. Je me rends compte que malgré toute votre volonté, beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas en train de voir l'argent venir et vous n'êtes pas encore riche. Devenir riche, c'est très facile. Super, hyper facile. Bonjour, 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 c'est peut-être la première fois que vous me regardez. Donc, je suis la reine Jocelyne, ok? J'ai été choisie par Dieu pour vous parler aujourd'hui. Je suis envoyée dans votre vie pour vous changer. Changer votre environnement. Que vous sortiez de votre taudis, du quartier pauvre où vous êtes. Et que vous vous retrouvez dans les plus grands appartements, les plus grands immeubles de votre ville. Que vous puissiez être reçu par les présidents de la République. Que vos rêves s'accomplissent. Bien sûr, on a tous des peurs. On a des peurs qui s'incrustent à l'intérieur de nous. Et quand vous dites que vous voulez changer, vous allez devoir constamment travailler sur vous. Ok? Quand tu penses que c'est bon, je me suis fait mon premier 100 000 euros. Voilà. C'est là que tu ne fais que commencer. Donc, la richesse est possible pour tout le monde. Il y a juste des choses qu'on nous a apprises dans l'enfance qui nous bloquent. Des choses qu'on a vues autour de nous qui nous bloquent aujourd'hui. Donc, je vais en continuer à enseigner dessus parce que c'est la répétition qui va vous aider. Donc, nous allons commencer par une petite méditation. Demandons la présence, l'assistance de nos ancêtres. Appelez vos grands ancêtres. Je leur demande la sagesse. Je vais chasser toute mauvaise onde, tout mauvais rêve que vous avez fait cette nuit. Toute situation que vous avez essayé de changer dans le passé et qui est revenue vers vous plus violente qu'avant. J'enlève cela de votre esprit pendant que j'enseigne. Je demande l'assistance de vos anges gardiens. Que mes paroles résonnent dans votre esprit et que ça pointe les zones d'ombre que vous aviez. Que vos peurs se dissipent pendant que je parle. Que le chemin que vous avez toujours cherché pour devenir super riche et heureux vous soit montré pendant que je parle. J'enlève l'orgueil de votre cœur, tout orgueil qui vous fait, qui vous bloque, mais que vous ne savez même pas. Que vos fautes et vos erreurs vous soient montrées pendant que je parle. Je demande aussi un éveil. Une conscience chez vous. Que lorsque je parle, mes paroles soient comme un couteau qui va percer, séparer votre âme de votre esprit, de vos émotions, de vos pensées. J'appelle votre conscience pleine. Que pendant que je parle, vous soyez en pleine conscience en ce que je dis. Je viens vous sortir de l'esprit de pauvreté qui fait que vous cherchez seulement le boulot tout le temps. Vous voulez travailler pour quelqu'un pour 50 000 francs. Que votre estime de vous se révèle réellement pendant que je parle. Que vos désirs les plus profonds vous soient accordés pendant que je parle. Vous aurez besoin d'une feuille pour noter pendant que je parle aujourd'hui. Cherchez un papier. Je déclare que toutes les activités que vous avez essayées et qui n'ont pas marché jusqu'aujourd'hui se concrétisent par la prochaine action que vous allez mettre sur pied. Que votre prochain business soit le business qui va vous rendre millionnaire en euros, milliardaire en francs CFA. Je vous réveille de tout sommeil, spirituel et physique. Ceux qui dorment trop, l'esprit de paresse.
ceux qui pensent que c'est une autre personne, que vous attendez une formule magique pour vous sortir de là. Je vous sors de, de ce sommeil dans lequel on vous a mis. Vous-même, vous vous êtes mis. Que les paroles que je vais dire enlèvent toute épée qu'on a piquée dans votre cœur. Toute douleur. Vous avez fait confiance en des gens, ils ont porté votre argent, ils sont partis avec. Vous avez fait confiance à un homme, il a porté votre argent, il est parti avec. Que cette douleur s'estompe et que vous vous leviez de cette douleur pour avancer. Je viens vous fortifier. Voilà. Nous déclarons que tout ce que nous avons déclaré ici est déjà accompli. Haché. Il y a des choses cachées qui vous empêchent d'avoir du succès. Il y a des choses cachées à l'intérieur de vous, des fausses croyances. Quand vous allez quitter ce direct, je voudrais que vous ayez une chose que vous avez retenue, une que vous allez appliquer aujourd'hui. Ce n'est pas le nombre de choses que tu connais. J'ai la formation de coach que j'ai lancée depuis une semaine déjà. Et l'une des choses que j'ai dû briser chez ces personnes qui sont dans la formation, c'est le mindset de « je suis là pour noter ». Je donne les devoirs l'autre jour. Je donne un ensemble de vidéos de regarder et de faire les devoirs. Je te dis que je voulais avoir tout regardé avant de faire. Votre problème, c'est le manque d'action. Vous connaissez déjà. Vous pouvez conseiller quelqu'un que fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça, tu deviens riche. Mais vous-même, vous n'êtes pas riche. C'est l'action qui vous tue. Donc, que de tout ce que je vais dire ici, que vous puissiez prendre une au moins, qui va rester. Donc, dans 15 ans, tu vas dire que le 20 juin, là, elle m'avait dit telle chose, c'est resté dans ma tête. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Lorsque vous regardez autour de vous, il y a des gens qui ont votre âge. Que ça fait déjà 5 ans qu'ils sont millionnaires en euros. Il y a des gens qu'à votre âge, ils ont construit 5 immeubles. Même moi, il y a des gens qu'à mon âge, ils ont construit 5 immeubles. Donc, je suis en retard. Et pour que tu comprennes, parce que nous sommes dans la meilleure des époques, avec le développement personnel qui a pris tout le monde entier, les choses que vous dites maintenant, là, ça, c'est des choses qu'avant, tu devais payer. Partir d'un séminaire à Washington, qu'on te dise. Maintenant, tu restes à Bayangam, ça vient te trouver à Bayangam. Ça veut dire que le succès est en train de s'étendre partout. Tout le monde peut devenir super riche. Et quand je quittais le Cameroun, je me rappelle en 2006, il y avait des choses, par exemple au Cameroun, qu'on disait, voilà, pour être riche dans ce pays, il faut connaître quelqu'un. Pour être riche dans ce pays, il faut... Et on avait grandi avec cette sensation à l'intérieur de nous, que je ne peux pas devenir quelqu'un. Et quand tu penses, ok, je vais construire un immeuble, non, son père a l'argent. C'est pour ça qu'il a construit l'immeuble. Il est parti dans une grande école parce que son père avait l'argent. Son père a pu payer pour lui. Oh, son père a pu. Et ce sont les choses qui nous bloquaient depuis notre jeunesse. Donc tu grandis, tu as 40 ans aujourd'hui, mais tu penses que c'est seulement la ok, comme elle était partie en Belgique, c'est seulement elle peut avoir du succès parce qu'elle est partie en Europe. Rien ne me différencie de vous. Si ce n'est ce que je connais et ce que je fais. Il y en a parmi vous, vous êtes couché dans votre chambre. Vous n'avez pas ce que vous allez faire à 10 heures. Vous n'avez pas ce que vous allez faire à 14 heures. Vous n'avez pas d'objectif financier. Donc pour que tu aies du succès, il faut que tu commences à croire que toi-même tu peux. Pas en parler vaguement. Ah, je sais qu'elle ne peut pas mourir pauvre. Tu as 69 ans. Arrête, tu dois être concret. Et pas mourir pauvre. Non. Dis-toi plutôt que dans 6 mois, j'aurai tel son d'argent. Donc
Votre premier problème, c'est que vous ne croyez pas. Vous devez vous débarrasser des anciennes pensées. Débarrassez-vous des anciennes pensées. Même si tu m'écoutes dans ta poche, tu n'as que 5000 francs CFA. Dans ton compte bancaire, tu as 50 euros. C'est tout ce qui te reste sur la terre. Et tu as même les dettes. Donc tu as moins, moins, moins. C'est ce qu'il y a dans ta tête. Et ton attitude, ta croyance qui va te permettre d'avoir. Première chose, crois que tu peux. Donc écrivez ici là, je peux devenir riche. C'est une force qui doit venir de l'intérieur de toi. Parce que la richesse, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Tu vois, tu crois. Après, tu restes comme ça, d'autres viennent encore s'ajouter. D'autres idées. Tu es partout comme ça, les idées ne font que venir. Les idées ne font que venir. Parce que tu as cru. Donc, écrivez, je peux devenir riche. Écrivez maintenant, je vais devenir riche. Tu parles de la possibilité. Il n'y a qu'une personne qui a écrit. Alors que j'ai 130 personnes connectées. Tu parles de la possibilité. Maintenant, tu sais que tu vas, c'est-à-dire, ça va arriver. C'est comme si tu as 30 ans. Tu sais qu'il suffit juste que je reste en vie, j'aurai 32 ans. Il suffit que je reste en vie, j'aurai 33 ans. Donc, ça va arriver. Je peux devenir riche. Je vais. Ne mets pas je dois, Walter. Laissez-moi ça. Laissez. Écrivez ce que j'ai dit. Quand tu mets je dois, ça veut dire d'abord que tu crois que tu ne peux pas. Maintenant, tu veux te forcer. On ne se force pas ici. Je vous ai demandé de chercher un papier pour écrire. Donc, n'ajoutez pas que je serai. Je peux devenir riche. Donc, c'est possible. Maintenant, je vais. Ça veut dire que comme je marche comme ça, quand tu prends la voiture, tu mets le tom-tom, la destination. Quand tu pars, tu dis que je vais à Douala. Je vais à Londres. Je suis peut-être à 70 km de Londres. Mais comme je suis en train d'avancer là, je pars à Londres. Écoutez bien, vos mots vous guettent où ça vous arrange. Laisse la persuasion, Pierre. Laisse. Tu n'as pas besoin d'être persuadé. Tu peux être persuadé, tu restes pauvre 10 ans. Et c'est ça votre problème encore. Vous aimez montrer que vous connaissez. Vous avez sabi tout le monde. Ah, je connais tout ce que même. Il y en a quelqu'un qui parle, vous dit, ah, je connais bien. Tu connais, tu es où? Pourquoi tu n'as pas la langue dans ta poche? Ta vie va changer quand tu vas comprendre que ce n'est pas ce que je connais. Mais je dois respecter les étapes. Les étapes. Les étapes. Le succès, c'est les étapes. Je peux devenir riche. Je ne me vois plus comme une pauvre petite fille que mon père ne m'a pas aidé. Ma mère était morte quand j'étais jeune. Oh, je suis arrivée en Europe, je n'avais pas les papiers. Voilà, j'ai fait 10 ans sans papiers. Voilà. Non. Peu importe là où tu es. On m'a parlé une fois d'un monsieur en Angleterre, un Nigérian. On a raconté cette histoire peut-être en 2015. Le monsieur est arrivé en Angleterre. Il a perdu son titre de séjour, ses papiers. Il arrive. À cette époque-là, tu pouvais faire le conteneur sans avoir besoin d'avoir les papiers. Parce qu'en Angleterre, à un moment, il y avait une époque où on pouvait. Tu arrives, tu veux louer la maison. On ne demande pas tes papiers. On ne demande pas la carte d'identité ou le passeport. On te loue la maison comme ça. Le monsieur a commencé à se balader, acheter la marchandise, acheter. Il envoyait les conteneurs. Il envoyait les conteneurs au Nigeria. Chaque mois, il envoyait. Et il était tellement discipliné. Il gardait tous les reçus d'envoi, tous les bordereaux de paiement. Pouf! Un moment, il reste. Il voit son banquier. Parce que quand il est arrivé la première année, il avait ouvert le compte. Son compte avait tellement évolué. Et à une époque, c'est maintenant qu'il demande les papiers tout le temps. Quand tu ouvres le compte, il pouvait me faire 8 ans avec toi sans te demander tes papiers. Donc, il est volé avec la banque. À un moment, la banque lui a proposé le mortgage. Le mortgage, c'est. On lui a proposé d'acheter une maison. Donc, étant donné que ses finances, sur au moins 5 ans, c'était constant et ça grandissait, la banque lui a donné la maison. Il prend la maison, il commence à payer. Donc, à un moment,
Il a les problèmes avec l'immigration. La police voit, voilà, tu n'as pas les papiers, on va te déporter. Il dit à la police que, attendez, s'il vous plaît, je veux vendre ma maison avant de partir. La police dit que quoi? Hein? Il dit, oui, j'ai la maison. On dit, prouve-nous que c'est ta maison. Il sort toutes ses transactions sur les 5 dernières années. Il leur montre qu'il faisait le compte des conteneurs. Il achetait la marchandise, il se disciplinait, il payait les taxes. Vous savez ce que les Blancs ont fait? On leur donnait papier. Si tu peux venir dans notre pays, tu achètes la marchandise, tu fais du business, tu payes les taxes, tu payes la maison. Là, prends les papiers, tu vas nous donner l'argent. Tu vas nous donner l'argent. Quelqu'un va dire, ah, moi je n'ai pas les papiers. C'est pour ça que je ne fais rien. Je vous connais avec les excuses. Je n'ai pas, je n'ai. La situation dans laquelle tu es là, il y a quelqu'un qui a fait ça. Ta dernière option, entre dans la voiture, tu peux devenir riche. C'est fini. Donc, je vous ai dit que la première chose qui vous dérange, c'est que vous ne croyez pas. Vous ne pensez pas que c'est possible. Donc, vous devez déposer vos situations là. Laissez ça. J'ai 4 enfants, tu ne comprends pas. Ok. Ma connexion est un peu déconnée. Quand tu commences à croire que tu peux et tu comprends que tes circonstances extérieures, tout le monde vit ça. Maintenant, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ont appris à voir au-delà de leurs problèmes, de leurs circonstances. Merci pour les cœurs et les partages. Votre troisième problème, c'est que vous n'avez pas le désir. Il y en a parmi vous, on vous manque de respect chaque jour. Tu es dans la maison de ta grande soeur. Là, comme tu m'écoutes, tu vis chez ta grande soeur. Tu vis chez le père de tes enfants. Et il a une autre femme qui vient souvent à la maison. Mais tu ne peux pas partir quelque part parce que tu n'as pas l'argent. Tu es confortable. Te voilà. Souvent, elle vient et te trouve même au canapé comme ça. Là. Elle dit, pour faire que ça soit, il faut la télé avec toi. Elle prend la télé comme elle change. Tu peux prendre le téléphone. Monsieur parle au téléphone avec elle devant toi. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas partir. Parce que tu es bloqué là où tu es. Tu n'as pas encore assez souffert. On ne t'a pas encore assez manqué de respect. On ne t'a pas encore... Écoute, Nathalie, tu ne t'as pas encore manqué de respect. Laisse. Toute situation dans ta vie que tu tolères, ça va rester. Et pour changer de niveau, tu dois être radical. Genre, je porte mes choses, je ne vais pas dormir dans la rue. Je quitte l'endroit. Quand Joseph a fui la femme de Potiphar, elle a pris son habit. Il a retiré, il dit que reste avec. Reste avec. Et pas acheter l'autre. Même sans habit, on vit. Votre problème, c'est qu'on ne vous... Il dit que vous n'avez pas encore assez manqué de respect. Quand la goutte va débloquer, que clique, tu vas laver tes mains. Sandra, si tu peux envoyer... MTN n'envoie pas ses 200. Si tu peux envoyer 200, tu envoies. Tu laves tes mains. Tu dis que c'est fini. I am done with this. I am done with this. Et cette situation doit devenir ton carburant. Ça doit devenir ton carburant parce que quand tu te retrouves dans la rue, ton problème maintenant quand tu es dans la rue, c'est que tu dors. Tu es dans la rue, tu dors. Ouais. Est-ce que tu peux me donner 100 francs? Est-ce que tu te retrouves dans la rue? À 20h30, tu es en train de toquer dans les maisons. Je peux balayer le sol, je peux cultiver le champ. Vous avez quoi comme boulot que je peux faire? Vous n'êtes pas assez désespéré.
Tu peux accumuler 5 boulots. Le matin, tu fais fouiller les beignets, tu vas déposer à la boutique avec les croquettes. À 10h, tu es en train de faire le ménage chez quelqu'un pendant 2 heures de temps. Tu finis à 12h. À 13h, à 12h30, tu te retrouves en train de chercher les enfants de quelqu'un à l'école, tu viens les ramener à la maison. Après, tu peux pas pour la personne. À 17h, tu te retrouves en train de briser le poisson à une femme au quartier. Vous êtes trop confortable. Tu crois que qui va te donner la chambre? Depuis que tu l'as, qui t'a donné? Qui t'a donné? Tu laisses comme ça une idée vient à ta tête. Et mais regarde l'espace là, tu peux. Va supplier la femme là, tu demandes, tu peux vendre devant sa boutique. Le lendemain, tu passes là-bas, tu regardes. Après-demain, tu passes. L'esprit t'a même dit que tu viens me demander le travail. L'esprit t'a dit de venir chez moi demander le travail. Tu me regardes chaque jour, là. L'esprit t'a dit que quand t'as la reine, tu dis que je sais faire ça, ça, ça. Te voilà toujours, hein. Regarde toujours. 200 francs de dîmes, ça veut dire que tu as 2000 par jour. 2000, et tu me suis. Jesus is Lord. Même mes employés n'ont pas 2000 par jour. Tu dois arriver à un niveau où tu es prompt à agir. Bonjour la reine Roland. Tu as une idée à 12h. 12h10, tu es en train de chercher les gens qui vont t'amener la marchandise pour que tu vendes. Tu es en train de toquer aux portes. Tu envoies le message à 50 personnes que je recherche le boulot, je cherche le boulot. Vous voulez pas un babysitter? Vous voulez pas une secrétaire? Vous voulez pas... Ouais, ok. Oh Seigneur. Oh Seigneur. La pauvreté doit même te dire que vraiment la fille, c'est là, pardon, chassons-la. Elle est neuve. On te bloque n'importe comment, tu dois te faire quelque chose. On te bloque n'importe comment, tu fais quelque chose. Tu vends même l'eau. Alexandrine, ne me contacte pas, tu as compris? N'importe quoi. Et tu m'as demandé de te contacter. Vous croyez que l'esprit vous donne les solutions comment? Ce sont les idées. C'est vous que vous aimez la sorcellerie. Que je suis resté comme ça là, et puis le ciel s'est obscurci. Et puis un ange est apparu. Il m'a dit, va demander le boulot à la reine. Et puis j'ai entendu les gens ont chanté. Alléluia, alléluia, alléluia. Va demander le boulot à la reine. Vous êtes bête. À 5 heures, tu es dans ton lit. L'esprit te donne une petite idée. Bam. Fais les petits trucs, c'est là tu vends. Fais ça là, tu vends. Celui qui n'est pas à son compte sur quelque chose, que tu attends que ton argent vienne seulement de quelqu'un, tu es dans le trou. Tu vas rester dans le trou là pour toujours. Tu as besoin d'avoir quelque chose que tu vends. Tu sais que si je vends, j'ai mon bénéfice. Peu importe. C'est pour ça que même les gens qui sont dans le marketing, le réseau, je ne vous en veux pas. Allez, prenez les produits des gens, la vendez. Vendez. Que tu sais que si je me lève aujourd'hui, je pars et parle à 10 personnes. Si parmi les 10 personnes, 3 personnes achètent les produits. Et le bénéfice de ça de 3 000. À la fin de la journée, j'ai 9 000. Demain, comme j'ai 9 000 là maintenant, il me faut... Va, tu recrutes encore d'autres personnes, tu leur montres comment ça fonctionne. Si j'ai 9 000 et que mes vendeurs aussi ont encore, m'ont donné encore 5 000 de bénéfices, écoutez, réfléchissez. Même si tu viens pas les produits chez moi, tu pars, tu vends. Chaque produit que tu vends, toi, tu n'as pas sous ça. Combien de membres de votre famille vous connaissez, je ne vous le montre pas. Achète, dis-le, achète les produits, ça va t'aider. Quand la personne achète les produits de 15 000 là, je donne ta part sur ça. C'est comme ça. Même le crédit pour mettre pour regarder la vidéo, si tu payes, non. Tout se paye. Quatrième facteur que vous devez mettre, vous devez prendre de grands engagements. Là où vous êtes, là, votre loyer, c'est quoi? 15 000 au mois. Je prends souvent les engagements qui restent comme ça là. Parfois, ils restent de dire que, hé, hey, maman, je vais payer comment? Les loyers, seulement les loyers que je paye dans au moins 2 pays ou 3 pays, ça dépasse 2 millions.
Donc, mentionnons seulement le loyer, les employés encore, l'autre, c'est ça. Parfois, tu restes comme ça, quelqu'un te dit, j'ai une opportunité de business ici. Apporte 1 million. 1 million que tu as mis dans ta cotisation là. Tu avais prévu qu'avec tes 1 million là, tu devais partir acheter ta voiture. Au début, vous devez penser ceci. Les millionnaires, l'argent que vous voyez tourne là, 70% de cet argent, ce n'est pas pour eux. Mais pour aller prendre l'argent là, ils ont dû aller avec leur part d'argent quand même. Beaucoup d'entre vous fuient le crédit à la banque. Vous fuyez les crédits. Coca-Cola, Nike. Allez voir les grandes compagnies là. Cherchez les cours sur Annie, Caterpillar par exemple. La dette de Coca-Cola, ça en dit comme 16 milliards de dollars. Parce qu'ils savent qu'on doit mettre la pub partout. Dans tous les villages du monde, on connaît Coca-Cola. Même Nike. Vous fuyez les dettes. Si aujourd'hui, tu as 100 millions de francs CFA, quand ils faisaient la formation avec mes coachs l'autre jour, je leur dis ici, si on te donne 20 millions de francs CFA, ou si on te porte 30 000 euros de dépose, qu'est-ce que tu feras avec? Elles sont restées comme ça là. C'est là qu'elles sont rendues compte qu'elles n'ont pas de projet. Là où tu es là, tu n'as pas de projet. Si la banque te dit que prends 100 000 euros, pas que tu vas acheter la maison, parce que la mentalité du pauvre te fait croire que tu prends la maison, tu loues là, enfin, tu prends l'argent, tu mets dans la maison, tu habites dans la maison. C'est pas la folie. Tu aurais pu prendre l'argent, aller investir. L'argent là accouche chaque jour. L'argent que ça accouche, tu pars rembourser la dette avec. Ce qui est au-dessus. Supposons que tu prends un crédit de 20 millions à la banque. Tu établis un business qui va te rapporter 5 millions le mois. Et que tu es censé rembourser 3 millions le mois à la banque. Voilà les calculs. Ce business va te rapporter sur un an 5 millions le mois. Ça veut dire qu'au bout de 10 mois, tu auras 50 millions. Vous comprenez? La banque, tu l'auras remboursé au bout de... Tu rembourses 3 millions. Et qui t'ont donné un bénéfice de un intérêt de peut-être... Tu as prévu 1 million, tu vas rembourser 22 millions. Divisons 3 millions là par 22, ça fait 7. Ça veut dire qu'au bout de 7 mois et demi, le crédit de la banque sera remboursé. N'est-ce pas? Et en 7 mois, si tu as 2 millions chaque mois, tu auras déjà mis au-dessus de cet argent que tu as remboursé à la banque, tu auras déjà tes 14 millions. Et le prochain mois, qui est le 9e mois, tu vas prendre et mettre dans ton compte 5 millions au-dessus de tes 14 millions. Donc, à partir du 8e mois, tu te retrouves avec 19 millions. Donc, tu as pris 20 millions à la banque. Tu as pris 4 mois pour le rembourser, l'argent, ou 5 mois, ou 7 mois. Et quand tu les as remboursés, tu as maintenant un business qui tourne et qui te génère de l'argent. Ça augmente ta crédibilité. Le prochain crédit que tu prends à la banque, ce ne sera plus 20 millions. Ce sera au moins 50 millions. Parce qu'ils vont voir que chaque mois, au lieu d'avoir les 2 millions ou 1 million qui entrent avant, tu te retrouves maintenant à avoir mensuellement 5 millions qui entrent dans ton compte. Ça augmente ta crédibilité. J'ouvre vos aimants, vos oreilles, si ce n'est vos yeux. Le problème aussi que vous avez, le cinquième problème, c'est la foi. La Bible dit que la foi vient par l'écoute et l'écoute de la parole. Les paroles que vous écoutez vous découragent trop. Vous allez m'écouter là maintenant, vous tenez en train de monter, non? Quand vous m'écoutez, vous voyez en train d'avoir 20 millions, non? Vous vous voyez en train d'avoir 50 millions, non? Le problème qui fait que vous n'ayez pas ça, c'est les paroles que vous écoutez. Tu viens, tu m'écoutes aujourd'hui. À 10h, tu vas t'écouter une femme qui va se plaindre. À 13h, tu seras en train de faire Congo ça pendant 2 heures de temps avec une de tes amis. À 17h, tu seras sur la page d'une Congo ça, sur la page ici. Quelqu'un qui fait les Congo ça. Ce qui fait que toute l'énergie que tu viens d'accumuler là, ça va se dissiper. Là, vous êtes dans l'énergie de 10 millions. Quand vous m'écoutez là, vous êtes dans l'énergie de 10 millions. Si tu arrives à garder l'énergie ici, 24 sur 24, je t'assure, ton argent va venir. Tu es trop distrait.
Tu es trop distrait. Après, tu vas aller sur TikTok, tu vas regarder, tu vas passer 2 heures sur TikTok. Après, tu vas aller, il faut que tu cherches ce que tu vas manger. Tu vas passer 3 heures de temps pour faire ta nourriture. Hey! Maman, mamie. Prends 5 minutes, tu vas acheter un jour au restaurant, tu manges. 3 heures de ton temps, tu sais ce que tu peux gagner en 3 heures de temps? Voilà les mentalités qui vous battent. J'espère que vous avez noté sur le papier. Je suis là pour vous rendre riche ce matin. Donc les paroles que vous écoutez et que vous vous répétez vous-même, c'est ça qui vous détruit. Tous tes cousins avec lesquels tu parles, ton mari même, il ne croit pas que c'est possible. Dès que tu dis 15 millions, ton mari dit, hey! T'es ton mari, il est à côté de toi chaque nuit. Même son sperme là te donne déjà son énergie. Les gens que vous écoutez. Testez la sensation que vous avez quand vous écoutez ces personnes. Quand tu écoutes, ton ADN fait comment? Ton sang fait comment? Certains d'entre vous, quand vous m'écoutez, c'est comme si on a tout mis là, on a fait votre sang 100 degrés. C'est comme si on sentait bouillonner à l'intérieur de toi. Choisis une, deux personnes. Quand tu écoutes les gens là comme ça, là, off, tu attaques la journée comme ça, 200 000, 300 000 tombent le jour là. 500 000. Soyez sélectif sur ce que vous écoutez. Moi, j'ai une règle de base. Est-ce que ça donne l'argent? Oh, tu vois, telle personne a fait comme ça. Oh, j'écoute telle. Que tu sois le meilleur prédicateur de la terre. Vous avez souvent les fausses discussions sur oh, Jésus était noir, Jésus était blanc. Oh, les noirs sont les plus forts. Oh, tu parles tout ça, tu es pauvre. Tu parles tout ça, tu es pauvre. Vous avez les discussions qui ne vous aident pas. Tu sais, les affaires dans le pays, si c'est dur, hein? Ah, on se débrouille. Alors que je viens d'écouter la reine Jocelyne, hein? Je t'ai dit que c'est possible toi d'avoir 20 millions. Te voilà, dans 30 minutes, tu seras avec quelqu'un là-bas. Ah, maman, on essaye seulement, ça va aller. Toute la vibration que tu viens de prendre ici, tu vas aller jeter ça demain, tout à l'heure là. Je vous connais, ouais, je vous connais. La foi vient par l'écoute des paroles. S'il n'y a personne à côté de toi, écoute-moi. Après, tu t'écoutes toi-même. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je vaux plus que ça. Il faut beaucoup de foi pour que tu doubles tes prix. Que tu dises que telle chose qu'elle faisait à tel prix. Maintenant, c'est tel prix. Tu ne veux pas, tu laisses. Les clients, tu te prends pour qui? Hein? Tu vas aller ailleurs. Pâté. 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 Vous savez même à qui vous avez affaire? Je suis la reine. Est-ce que vous savez que c'était difficile pour moi de croire que je suis la reine Jocelyne? Moi, la reine lumière là que vous voyez. D'abord, j'étais dans des relations avec des gens qui ne me considéraient pas. Qui ne se considéraient pas. Enfance, j'ai grandi avec ma grand-mère qui me disait tout le temps, oh, oublie, hein, ne crois même pas que. Ne crois pas que tu peux un jour. Ne prétends même pas que. Ne crois même pas que. N'ose pas croire que l'argent de ton père, tu peux avoir ça. Et mon père avait beaucoup d'argent quand moi je grandissais. Ce qui fait que j'ai tout grandi en disant, tu n'as pas, ne demandez pas trop. Ne demandez pas trop. Vous devez vous guérir vous-même. C'est votre boulot. Pas celui de votre mari, pas celui de votre père, ni votre fille, ni mon boulot. Je mets le contenu, si tu regardes, tu ne regardes pas, tu ne guéris pas. Point à la ligne. On avance. Tu dois te reprogrammer. Souvent, tu as une idée, tu veux faire un business. Tu parles à quelqu'un. Ah, c'est déjà mort, non, ça ne marche pas. Une autre personne vient te dire, mais tu peux, hey, tu peux. La foi là est venue par les paroles. Même si vous n'avez personne autour de vous, hein, devenez votre cheerleader. Jocelyne, tu peux, Jocelyne, tu peux. Tu peux, mais ça c'est mon quoi, c'est rien. C'est rien, Jocelyne. Vas-y, tu peux. Allez, vas-y. Yeah. Yes. Tu t'encourages. La Bible dit que David s'encourageait dans le Seigneur. Josué chapitre 1.
Sois courageux. Only. Only. C'est la seule option que tu as. Only be courageous. Vous pensez que c'était quelqu'un d'autre qui voulait venir faire pour vous, non? N'est-ce pas? Ok. Arrêtez de blâmer quelqu'un d'autre. Personne ne vous a mis là où vous êtes. Vous avez accepté. Quand tu es arrivé, le gars te traitait comme une montagne. Tu as accepté. Tu es arrivé là-bas dans le boulot, là, on te payait. Tu valais 300 000 francs. On a commencé à te payer 50 000. Tu as accepté. C'est toi qui as accepté d'abord. Accepte que c'est toi qui as accepté. Vous devez vous fixer des objectifs. Voilà une journée qui a commencé. Quel est l'argent que tu veux te faire aujourd'hui? Certaines personnes se font 5 millions la journée. Certaines personnes se font 5 000 francs la journée. D'autres font 2 000. La fille qui a dit qu'elle veut donner 200 francs de dîme. D'autres se font 15 millions la journée. D'autres se font 1 milliard la journée. Et je vous dis, ils respirent comme toi et moi. Parce qu'ils ont laissé l'idée entrer dans leur tête. Tu veux faire combien aujourd'hui? Écris ta part dans ton cahier. Si tu as peur qu'on voit ici. Dès que tu écris, tu dois écrire ce que tu veux avoir à la fin de l'année. Tu mets la date précise. Tu dois écrire ce que tu vas avoir dans 6 ans, 10 ans, 20 ans. Avec les dates précises. Et quand tu écris ça, tu dois écrire sur le papier que je commande à mon corps, à mon esprit, à mon subconscient de faire ce qui est nécessaire pour avoir cet argent. Parce que certaines personnes veulent l'argent, mais vous ne voulez pas le travail qui vient avec l'argent. Je dors très peu. J'ai des jours. Un jour, j'ai fait le voice de 2h28 minutes à une cliente. Parce que je suis arrivé à l'hôtel à Abidjan. J'étais tellement fatigué. J'ai consulté cette dame qui est aux États-Unis, donc à 23h chez nous. Il était chez elle dans les 17h. J'ai fini de la consulter. J'envoie les instructions, les médicaments qu'elle doit prendre. J'envoie, tu vois, quand tu cliques, tu pousses le truc comme ça là, pour faire le voice. Tu as les mains levées, c'est-à-dire tu peux parler comme ça sans rire seul. J'avais activé l'option là. Je me réveille à 3h. Donc j'avais dormi de 23h à 3h. Je me réveille à 3h. Je me rends compte que la dame, je lui ai envoyé un voice de 2h et 23 minutes. 28 minutes, pardon. J'étais tellement fatiguée. Voilà, fainéance. Vous croyez que non, 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 tu vas quand même. Les riches se reposent, ils voyagent. C'est pour ça que ton argent doit venir à travers quelque chose que tu aimes faire. J'aime encourager les gens. Ce que vous voyez là, est-ce que vous me payez pour que je vous parle? Est-ce que vous me payez? Facebook ne me donne pas l'argent non plus. Mais ça me plaît. Ça doit être quelque chose d'abord que ton âme aime. Quand j'ai commencé à faire, à coacher les gens, c'était en 2018. Je venais, je lisais les livres. J'écoutais les livres en anglais, je venais traduire en français dans mes vidéos. Et au début donc, je lançais toujours les contests. Je disais, bon, je veux 5 personnes que je veux coacher. Après, je prends encore 4 personnes que je vais coacher. On peut prendre 10 personnes, 20 personnes. Ils ne me payaient rien. Bon, je sais plus que tout ce qu'on donne gratuitement à la personne, jamais je. Sur 100 personnes que tu vas prendre, tu vas donner le gratuit, il n'y a qu'une personne qui va valoriser. Donc, je donnais. Un jour, je me lève, je dis, mais c'est même Dieu qui m'a mis au challenge. Tu as loué le bureau. Tu as mis devant ton bureau que coach. Tu payes le loyer. Mais le loyer, là, tu dois prendre dans ton truc des meublés que tu fais. Je faisais le meublé, je faisais la nutrition, la nourriture pour vendre, je faisais ceci, cela. Il m'a mis au challenge. Que ton business, si, le coaching doit te donner l'argent que tu vas payer encore tes factures du coaching avec. J'ai accepté le challenge. J'ai commencé à dire toute personne qui venait. C'est vrai que les coûts au départ étaient très, très minimes. Tu veux un service. Ce que je fais aujourd'hui à 400 000, 500 000, j'ai des clients qui me paient même 3 000 euros pour certains services. À l'époque, je pouvais te faire ça même à 100 euros. Et en faisant, j'avais un peu peur. Bonjour Clémence, merci pour les cœurs. J'avais peur. Nathalie, tu veux 10 000? Yeah, mais allez. T'aimes dire, pardon. Sors de mon direct. Sors de mon direct, Nathalie. Yeah. Hey. 10 000 que le loyer de la maison où tu es, tu payes. Je suis sûr que tu vis chez quelqu'un.
Parce que quand tu paies le loyer d'une maison, tu ne peux pas avoir, chercher 10 000 la journée. Seulement la maison, peu importe la maison où tu es. Le loyer de là-bas, c'est au moins 2 000 la journée. Et vous savez que la peur même d'écrire le montant, la peur même de dire, la peur même de dire que je veux 100 000, il y en a qui ont les chiffres que vous n'osez même pas dire. Augmentez un zéro sur le chiffre que vous venez d'écrire là. Augmentez. Vous écrivez à nouveau, vous allez voir comment ça fait bizarre. Comment tu peux dire que tu vas avoir 1 million aujourd'hui? Donc on va faire un Jacques. Hey, 1 million. Écrivez, vous allez voir. Écrivez. On monte un zéro sur 100 000. Et vous-même écrivez dans votre cahier que je, moi, telle personne, je m'engage à avoir, écrivez, c'est très important. Je m'engage à avoir, vous augmentez le zéro sur le chiffre que vous avez mis d'abord. Voilà. Prononcez le mot là, prononcez. Que d'ici la fin de la journée, et prononcez avec votre bouche. Vous allez voir comment votre corps va faire un jar, ça va un peu trembler. Ça va faire un jar. Ce sont les peurs qui sont dans votre corps. Ce sont des points qui vous, des points de peur. Et quand tu prononces le montant, tu fais. Tu dois te répéter ça. Répéter, répéter encore. Moi, je veux 5 millions de francs CFA aujourd'hui. Moi, je veux 5 millions de francs CFA aujourd'hui. Moi, je veux 5 millions de francs CFA. Donnez votre somme. Moi, je veux 5 millions de francs CFA aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de déclarer. Ne force pas. Ne force pas. Ne dis pas que. On ne force pas le subconscient. Parle calmement. Maintenant, quand tu dis ça, prononcez ça 10 fois. Je veux tel nombre de francs CFA aujourd'hui ou en euros. Quand tu vas dire, maintenant la deuxième est pas partie, dis maintenant que il y a des gens dans ma ville, au moins encore un zéro sur l'argent que tu as dit. Il y a des gens dans ma ville qui gagnent 50 millions de francs CFA par jour. Dis ça. Si tu avais dit 5 millions de pas, que moi je veux 5 millions. Dis maintenant qu'il y a des gens dans ma ville qui se font 50 millions la journée. Dis, il y a des gens qui ont 50 millions par jour. Il y a des gens qui ont 50 millions par jour. Il y a des gens dans la ville aussi qui ont 50 millions de francs CFA chaque jour. Laisse que ça entre dans ton esprit. Laisse ça entre. Qu'il y a des gens dans la ville ici. Première étape, je dis, tu dis d'abord moi, tu dis ton nom. Je veux. Tu mets la somme que tu veux. Cette somme que tu pensais au départ, tu ajoutes un zéro sur ça. Je veux, tu mets ta somme. Tu peux mettre même que d'ici 20 heures. D'ici 20 heures aujourd'hui. Ce qui fait que tu as une limite. Maintenant, tu ajoutes encore un zéro sur ça. Tu dis qu'il y a des gens dans ma ville, il y a des gens ici à Paris qui gagnent 500 000 euros par jour. Donc, il y a des gens ici qui gagnent 500 000 euros par jour. Waouh! Parce qu'il y en a parmi vous, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous tombez sur les vidéos des gens qui sont tellement riches que ça vous énerve. Ils sont tellement, ça vous énerve. Comment tu peux avoir autant d'argent par jour? Et il y en a parmi vous, il y a des sommes que vous n'avez jamais vu quelqu'un avoir ça. Donc vous n'avez jamais été en contact physique avec quelqu'un qui gagne 50 millions par jour. Donc, il faut que les pensées comme ça entrent dans ta tête. Donc c'est la première partie, on va faire ça, on va continuer ce direct demain. J'ai d'autres enseignements encore. Donc les kits sont toujours disponibles. C'est pas pour moi les selles là je vais montrer avec quelques kits. On a le kit commerce, pour ceux qui font le commerce. Oui Nathalie. Il y a des gens dans ta ville qui gagnent 50 millions par jour. On voit un peu dans ton esprit. Oui. On a les kits commerce. On a les kits. Kits commerce, c'est pour les gens qui veulent se lancer à leur compte ou qui sont déjà à leur compte. On a les bâtons de commandement. Il y a les petits formats que tu mets dans le sac à main. Il y a les grands formats. Tu peux les laisser dans le coffre de la voiture ou à la maison.
Apporte la quantité que tu trouves d'abord. Pendant que je montre, tu peux rajouter. Bonjour, Claire M. Merci, c'est gentil. Donc, on a le kit commerce. Maintenant, apporte le sel. Je veux des sachets de sel, s'il te plaît. Le kit commerce, c'est pour ceux qui ont lancé leur activité ou qui veulent lancer leur activité. Le kit commerce contient bâton de commandement. Au Gabon, le bâton de commandement, c'est 18 000. Donc, ceux qui veulent les consultations au Gabon, vous pouvez appeler pour avoir les consultations. Ceux qui ont les consultations à Douala, vous pouvez appeler pour avoir les consultations. Il y a Yaoundé aussi. Il y a beaucoup d'encens dedans. Il y a des choses que vous devez déposer dans votre magasin. Ça éloigne les mauvais esprits. Et ça attire les clients. Il y a des poudres que vous devez verser dans le magasin. Il y a aussi les huiles de blindage. Parfum, donne-moi tout. Qui se rappelle de la recette du donne-moi tout? Donne-moi tout. Voilà l'ancien format. On a les nouveaux formats de donne-moi tout aussi. Ce qui donne les gouttes là. Le kit commerce, c'est à mettre en pratique par la personne qui a le commerce. Maintenant, il y a des encens et des choses que tu envoies, qu'on brûle dans ton shop, ton magasin. Et si tu fais le commerce en ligne, ce sont des choses que tu vas mettre dans ta maison, dans la pièce où tu fais le commerce. Donc, pour qu'on emballe et ça passe plus facilement. Parce qu'il y en a qu'on poste. Donc, quand ça arrive, on veut passer ça facilement. Donc, on met dans les emballages comme ça. Ça, c'est le kit de déblocage plus. Le kit commerce au Cameroun, c'est 65 000. Au Gabon, c'est 75 000. Dans le kit de déblocage plus, au Cameroun, c'est 55 000. Au Gabon, c'est 70 000. Le kit fondation au Gabon, 70 000 aussi. Donc, le kit commerce, c'est pour les gens qui ont des activités. Le kit fondation, c'est pour les gens qui ont les malédictions générationnelles. Cameroun, 55 000. Gabon, à Libreville. On poste aussi. Quand au Gabon, on poste, on t'envoie dans d'autres endroits. C'est 70 000. En Côte d'Ivoire, il y a la représentante. Côte d'Ivoire, c'est les mêmes prix que le Gabon. Dans les mêmes prix. Et on a une représentante en Côte d'Ivoire. Grâce, on a quelqu'un en Côte d'Ivoire. Regardez les numéros que j'ai mis en haut là-bas. Si vous avez de quoi noter, je peux vous donner le numéro. Je vous donne les numéros de mes représentants. Vous voyez de quoi noter. Vous appelez pour les rendez-vous. On a les lavages aussi à distance. Il y a les lavages. Pour vous débarrasser des mauvaises, la malchance. Pour enlever, je peux vous dire les promotions que les maris des gens ont eu au boulot. Donc, et aussi les femmes qui lavent leur mari à leur insu. Tu commandes le lavage pour ton mari. Donc, la représentante de Côte d'Ivoire, son numéro 00225 plus 225, mettez votre code 0027, pardon, plus 225, non, 08. 27 53 94. Vous avez suivi. Donc, ça, c'était celle de Côte d'Ivoire. 08 27 53 94. Celle d'Allemagne. Plus 49 17 66 41 99. 51-19. Si vous avez un pays où vous êtes ou une ville, vous me dites. Je vous dis si on poste là-bas. À Bruxelles. 00. Pardon. France, oui. Ok, la France. Bruxelles d'abord. 0032 466 10 40 87. Bruxelles. 32 46 61 04 08 7. Maintenant, la France, on a plusieurs personnes en France. Il y a une dame qui est à Paris. Elle s'appelle Ruth.
Donc, plus 33, 75, 39, 55, 66, 9 à la fin. Donc, son numéro, c'est le... Ça, c'est la française. 0753, 95, 56, 69. Celle de Nantes, 06, 20, 00, 63, 59. Nantes, 06, 20, 00, 63, 59. Donc, vous pouvez aussi commander le sel. Je vous ai montré comment le sel fonctionne. Vous prenez trois pincées de sel, vous mettez dans l'eau de lavage. Et quand tu... Je vous ai parlé des sommes d'argent que tu veux. Quand tu fais tes déclarations, de pardon, porte-moi un peu le don. Tu fais tes déclarations. Le don. Tu fais tes déclarations, tu écris que je veux telle somme d'ici la fin de la journée. Quand tu fais ça avec ton lavage que tu as préparé, avec le don que tu vas mâcher, tu mets dans la bouche, tu mâches. En mâchant maintenant, tu parles, tu dis ce que tu veux. Donc, le spirituel avec le mental, ça marche ensemble. Tu détermines ce que tu veux. Maintenant, tu le déclares. Il y a des choses que tu fais, tu mets en place pour cela. Tu n'as pas besoin de consultation pour prendre un kit. Le kit, ça se prend comme ça. Peut-être tu as les malédictions générationnelles. Tu sais que oh, je rêve toujours que je suis chez nous, au village. Ça, c'est chose avec qu'il y a les trucs dans tes fondations qu'on doit nettoyer. Tu prends le kit fondation et tu envoies qu'on fasse un sac au village pour toi. Là, c'est les gens qui rêvent, qui sont toujours à l'école là-bas comme ça. Là, on me voit toujours à l'école, à l'école, à l'école. Ici. Donc voici le don dont je parlais. Il y a une vidéo où je parle de ça. Donc tu ouvres en mettant derrière toi. Tu ouvres en disant voilà, je déclare que tout ce que je suis en train de je vais déclarer ici, en mangeant ce don, ça va se réaliser. Ce sont des plantes naturelles. Même le sel, c'est la nature qui nous a donné le sel. Voilà. Mais en faisant ceci, on a fait des prières dessus. On a béni pour que ça vous ouvre les portes. J'ai personnellement béni mes produits. Donc quand tu ouvres le don, tu prends 7 grains de don, tu mets dans ta main gauche. Tu prends 7, tu mets dans ta bouche. Je vous donne les numéros, après je vais vous donner les recettes maintenant. Bon, maintenant, celle de Paris, j'ai déjà donné. Nantes, j'ai donné. Celle de Yaoundé. 655-31-0750. À Yaoundé, pour les lavages, si tu veux un lavage à distance, tu envoies la photo à l'un des numéros. Elles vont dealer avec vous et elles peuvent me parler rapidement. Voilà. Pardon. Oui. Pour tous les pays et n'importe quel pays, si tu n'arrives pas à voir la personne, tu prends un autre pays, tu contactes la personne là, tu lui dis ce que tu veux. Autre que Martial, merci. Il n'y a pas de problème. Moi-même, je cherche le royaume des cieux. Tu as compris? C'est les pauvres qui aiment beaucoup parler comme ça, vraiment. Je peux aller, je peux voir à distance, je détecte la pauvreté à distance. La pauvreté n'aime pas l'argent. Donc. Le numéro de Guy Diga Academy de Douala, c'est le 680, avec l'index camerounais, 00237, 680-71-0701, 680-71-0701. Pour Yaoundé, 655-31-0780. Pour Orange Money, tout ça, c'est Orange Money, MTN Money, 693-50-22-66, 693-50-22-66. Je vais donner les recettes ici dans bientôt, donc attendez seulement. Maintenant, le numéro du Gabon. Ceux qui sont au Gabon, 07 41 80 080. 07 41 80 080. Vous commandez les produits. On est à lui, on est basé à lui. Et puis aussi à Saint-Germain. Il y a une station PG, PG Gabon, pétrole là, PG. On est en face de PG. Voilà. Donc. Je vais maintenant vous donner les astuces, les recettes là. Je vais me faire le direct sur d'autres, sur mon autre plateforme. Je vais vous donner les recettes. Tu peux tenir ça, non? Tu le fais dans l'autre sens. Tu en penses quoi? Voilà, tiens. Lance seulement la vidéo. Bonjour, bonjour et merci. C'est bon? Donc, bonjour, je veux
Le secret de mon teint, la reine Rolande, c'est le gens sang. J'ai le bon gens sang. Les produits seront prêts bientôt. Je vais vendre les produits du gens sang spirituel. Donc, je vais vous montrer les recettes. Tout ce que je viens vous donner, de vous donner, tu écris ce que tu veux, l'argent que tu veux, à la date que tu veux. Et j'ai parlé des sommes, comment ne pas se laisser bloquer par les sommes. Une fois que tu as écrit sur ton papier, tu écris que moi, Jocelyne, je veux la somme de, supposons, 5 millions de francs CFA. Aujourd'hui, 20 janvier 2023, d'ici 18h00. Quand tu as déjà écrit, tu te réveilles le matin, sans parler à personne. Ok? Bonjour le roi Brice. Sans parler à personne. Vous connaissez ça, c'est le nom. On appelle ça en anglais... vous connaissez le nom en anglais, vous me dites. Le ndon, le piment de Guinée. Alligator pepper, voilà. Alligator pepper. Donc, vous le prenez. Généralement, dans les pays, vous avez ça à 100, 200 francs, 300 francs. Mais moi, avant, c'est à 1000 francs. C'est comme ça. Donc, tu prends le ndon, tu mets derrière toi. Tu ouvres. Ne pas ouvrir ceci devant. Tu ouvres derrière. Pardon. Tu ouvres pas derrière. Ok. Tu ouvres et en ouvrant, tu médites. Je déclare que le don, cela va me donner l'argent. Va me donner la prospérité. Je vais ouvrir en même temps. Hein. Parce que quand un fruit est grandi sur un arbre, ça accumule de l'énergie, de la puissance. Là, j'ai ouvert et j'ai cassé la croûte. En ouvrant et j'ai mis mes désirs, ça donne une force, ça relâche une force à mes désirs. Donc, quand vous ouvrez le don, vous allez voir à l'intérieur. Ça sort comme ça. Donc, une fois que tu as fait la prière sur le don et tu l'ouvres comme ça, voilà. Généralement, le don, utilisez-le en ayant aussi du sel. Si peut-être vous n'avez pas encore pu acheter mes produits, comme je vous ai dit, il y a le kit commerce, il y a le kit fondation pour les mauvaises fondations. Tu prends le sel, tu prends 3 pincées de ce sel ou 3 cuillères à café pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Ou le soc, voilà, ça s'appelle aussi le soc. Tu prends 3 pincées, tu mets dans l'eau. Voilà. Il y a le sel rouge pour la purification. Tu ajoutes à ça le somme 51. Le sel vert, parfois tu peux faire le bac to sender avec. Aussi pour le commerce. Le sel orange pour le déblocage. Ok? Le sel jaune, c'est pour la puissance. Le succès. Maintenant, quand vous mélangez tout ça, c'est pour restaurer les couleurs de votre chakra. Vous allez voir que le chakra a plusieurs spectres de couleurs. Voilà. Il y a le rose qui est pour l'amour. Je crois que le rose est là-dedans. Donc, ce que tu fais, tu as le dindon comme ça. Tu prends, tu épluches. Tu prends, tu vas compter les grains. Oh my God, c'est pas possible ça. C'est tombé une fois de plus. Donc, tu vas éplucher et tu vas prendre les grains. Donc, une fois que tu as mis les vœux dessus, le reste d'une don, c'est là que tu peux l'éplucher complètement, tu sépares les grains. Et tu mets, tout le monde a le sel, vous avez le sel à la boutique, vous avez le sel dans votre cuisine. Si vous n'avez pas encore acheté mes sels là, donc, fais un peu, monte un peu la caméra sur mon avis, là. Tu sépares les grains. Je veux que vous voyez comment c'est, regardez. Voilà. Tu vas compter donc 7, il te faut 14 grains d'eau. Voilà, donc on prend d'abord les 7 premiers, on va mettre dans la bouche. Vous savez que spirituellement les chiffres comptent. J'ai pris 6, là il reste 1. Voilà. Maintenant que tu as les 7 dans ta main, mets dans la bouche. Tu prends les 7 qui restent. Je rappelle que le don pique beaucoup. Il y a des choses qui piquent beaucoup. Donc voilà ce qu'on a à nouveau. Ça commence à piquer. Tes 3 pincées de sel, tu mets dans l'eau, dans 5 litres d'eau.
Quand ça pique ta bouche là, tu es en train de te guérir la bouche. Vous avez parlé mal des gens, vous avez maudit les gens, vous avez même prononcé des choses qu'on n'est pas censé prononcer. Donc quand tu es en train de manger comme ça là, ça donne la puissance de ta langue. Ça restaure la puissance de ta langue. Tu peux mettre dans tes déclarations ce que tu veux, ce que tu as écrit sur ton papier. Et vous, ça va, il y aura les dates, vous devez être spécifique. La reine Rolande, tu te moques de moi. Moi, Jocelyne, je déclare que d'ici le 31 décembre 2022, j'ai la somme de 700 millions de francs CFA. Tu peux déclarer avec d'autres choses encore. Donc, n'oubliez pas l'aspect amoureux, l'aspect social, l'aspect de votre santé. Certains sont malades physiquement, certains c'est l'argent. Donc, tous ces aspects-là, vous, vos déclarations doivent comporter chacune de ces parties. Peut-être qu'il n'y a pas l'harmonie dans ton foyer. Peut-être que tu n'es pas encore marié. Peut-être que ton entreprise n'a pas encore décollé. Donc, tu sois spécifique. Je me marie tel jour. Je fais tel... Parce que quand tu ne mets pas une date sur quelque chose, c'est difficile pour Dieu de te répondre. Tu parles. Les gars, comme je... Certains vont faire le don, mais vous ne pouvez pas faire le lavage en même temps. Peut-être que vous n'êtes pas là où vous êtes. Faites seulement le don. Quand tu finis de faire, tu finis de parler. Je scelle ce que je viens de dire par le sang de Jésus. Tu finis maintenant, tu fais quoi? Tu contournes ta tête 7 fois. 3, 4, 5, 6, 7. 7. Completion, accomplissement. Tu scelles ça. Les 7 qu'il y a dans ta main, tu jettes. Si tu es dans ta maison, tu jettes. Si tu es dans la cour, tu jettes. Jette seulement. Regarde ta bouche, tu avales. Maintenant, tu peux te laver. Voilà. Maintenant, l'autre astuce que je peux vous montrer. Comment utiliser le sel de déblocage pour se débloquer. OK? Pour ça, tu as besoin du sel. Tu as besoin... je vais prendre l'astuce de l'urine. Voilà. Ton sel, ta première urine du matin. Je rappelle que si vous n'avez pas le sel, si en attendant d'acheter mes produits qui sont bénis par moi, achetez le sel de 5 ans au quartier, vous utilisez. Dieu voit d'abord la foi. Le seau doit être de préférence d'une autre couleur que le noir. Ne faites pas dans un seau noir. Si vous pouvez faire dans la cour, faites-le dans votre jardin, faites-le. Si vous pouvez, prenez les feuilles de bananier là. Il y en a quelque part, vous êtes à Bayangam, vous avez les feuilles. Faites-vous mettre la feuille en bas de vos pieds. Vous ne pouvez pas prendre le balai là, avec les feuilles de palmier, là vous mettez en bas de vos pieds. Si vous avez des carreaux chez vous. En attendant d'avoir toutes les conditions rassemblées, faites avec ce que vous avez. N'utilisez pas les prétextes pour dire, wow, je n'avais pas le sel rouge, c'est pour ça que je n'ai pas fait. Fais avec ce que tu as. Donc tu prends une pincée de ce sel. Généralement, quand je dis une pincée, c'est vraiment genre cette quantité. Hein. Ok? Et en achetant le sel, ce qui, parce que le sel chez moi, ça coûte 1000 francs. Il y a même le sel qui va à 2000. Il y a le sel qui va à 5000. En fonction de ce qu'il y a mis dedans. Je me dis toujours que si je vais me laver avec le sel-ci 10 jours, et que les 10 jours-là, j'aurai chaque jour 100 000 francs CFA. Investir 5 000 sur le sel-ci, là, ce n'est rien. C'est pour ça que mes produits, c'est ceux qui ont la foi en ce que je fais. Et que j'explique et j'enseigne. La foi d'abord d'être déclenchée. C'est que tu vas te trouver que je suis en train de t'escroquer. Alors que ne t'escroque pas. Je te rends riche. Supposons que tu achètes le sel-ci à 1000 francs et que tu te laves avec le sel-ci 10 jours. En 10 jours, tu as 300 000. 1000 francs pour 300 000, est-ce qu'on t'escroque? Non. Voilà. Donc, tu prends cette quantité, tu mets dans l'eau, tu recueilles ton premier pipi du matin. Généralement, c'est vers 3-4 heures. Ceux qui se réveillent souvent pour aller se pipisser le matin là. Tu prends le sel, tu mets dans ton pipi. Tu recueilles le pipi. Généralement, la contenance de ton pipi, c'est un verre, généralement. Donc quand ça sort cette contenance-là, il y a une femme qui m'a donné un témoignage l'autre jour. Elle y allait vraiment fort. Elle n'a rien ajouté dans le pipi. Elle s'est lavé le pipi comme c'était. Ok. C'est chacun qui connaît. Elle dit qu'elle a pensé que, mais attends un peu, si quelqu'un peut marcher nu au carrefour à 12 heures parce qu'il veut l'argent, moi, il veut me libérer. Comment il ne peut pas me laver le pipi comme ça? Donc, elle me dit qu'elle a mis le sel dans l'eau, pardon, dans l'urine. Elle n'a rien mis d'autre. Elle a mis quelques gouttes de donne-moi tout. Ça, c'était sa recette spéciale. Elle a pris ça maintenant. Elle a fait comme le gommage. Elle a mis sur son corps, frotté. Que toute malédiction qu'il y a sur moi, tout voile qu'il y a sur moi, j'enlève. Elle a fini, elle est partie se coucher encore.
Et 6 heures, elle a rêvé comment il y avait une grosse entité qui la poursuivait. Ça va, un nuage noir. Tu vois, quand tu fais ça dans le rêve, tu sens vraiment qu'il y a une présence noire qui te poursuit. La présence là arrivée comme ça, là où ils étaient cachés. Elle est sortie de sa cachette. Elle a, au nom de Jésus, je te chasse. Elle dit qu'elle est venue tout petit. Elle est partie. Je pense que ce n'est pas du hasard que c'est le jour où elle a fait son lavage. Avec ce sel-là, avec son pipi. Elle a déclaré, comme elle a déclaré là, que ça s'est passé. Maintenant, l'esprit va te donner des idées parfois quand tu fais ton lavage. Parfois, tu n'avais pas prévu de te laver. Tu ne t'es jamais lavé. Tout ce que tu dis là, tu n'as jamais fait. Dans la nuit, tu vas te dormir. 3h30. Une voix te dit, lève-toi, tu vas te laver le pipi. Lève-toi, tu vas te laver le pipi. Lève-toi, tu vas faire. L'esprit, c'est ton jour là-bas. Voilà. Donc, je reviens à cette recette-là. Tu mets une pincée comme ça, un quart de verre de ton urine dans 5 litres d'eau. Ça, c'est pour les gens qui ont encore un peu peur. Genre, ok. Tu mets ça dans l'eau. Tu lis le psaume 35 et le psaume 37. Tu parles contre tous tes ennemis. Toute situation de blocage qu'il y a sur ma vie, je viens me débloquer au nom de Jésus. Si possible, avant de faire la prière, tu prends d'abord le don. Le don, si je précise que ça s'est fait tôt le matin sans parler à personne. Tu prends le don comme ça, tu manges. Donc, tu viens de manger. Tu peux aussi même prendre le don, tu mâches 7 grains de don aussi. Tu n'avales pas. Tu asperges ça dans l'eau, tu veux te laver avec là. J'ai les aspergés, c'était. Mais vous faites comme l'esprit vous montre. Non, tu prends ta pincée de sel, ton pipi, dans 5 litres d'eau. Tu lis le psaume 35 en tournant avec le psaume 37. Tu déclares maintenant que toute mauvaise personne qui t'a attaché, que c'est en malédiction ancestrale ou ça devient n'importe où, je me débloque maintenant au nom de Jésus. Quand tu parles comme ça maintenant, tu finis, tu te laves. Pour ceux qui seront un peu plus radicaux et qui ne vont pas diluer leur pipi, tu prends, tu fais le gommage sur ton corps et tu gommes ton corps. Tu peux gommer comme ça, là, tu restes même 5 minutes. Les 5 minutes là, tu pries. Tu peux faire le Notre Père, tu peux relire ce que tu demandes à Dieu. Tous ceux qui me suivent savent que je vous demande toujours d'avoir, vous avez un cahier de dîmes. Tu peux prendre ton cahier de dîmes là, tu reviens, tu reprends les feuilles de ton cahier là, tu lis. Habituez-vous à avoir toujours vos désirs qui sont écrits. Écrivez toujours, écrivez. Tu lis pendant les 5 minutes là, tu pries, tu déclares. Si le jour là, tu as un contrat ou tu as un truc qu'on devait juger le jour là, tu déclares, tu parles. Je déclare comment m'accorder la faveur. Je déclare comment donner le titre de séjour de 10 ans que je cherche depuis. Je déclare. Tu finis comme ça là maintenant. Tu prends maintenant encore de l'eau. Tu mets un peu de sel dedans. Tu te laves encore à nouveau. Ok? Mais ce qui doit rester sur toi, c'est l'eau salée. Donc, tu prends encore 5 litres d'eau. Si tu avais fait avec le pipi sans sel, sans diluer, et qu'il y a le sel sur toi, tu mets encore le sel dans l'eau. Tu te laves avec. Que ça enlève l'extra. Maintenant, si tu avais fait avec les 5 litres d'eau au départ, tu laisses comme ça. Tu prends l'eau là, tu te laves avec quand tu finis de déclarer. Quand tu finis ton lavage au sel, dans les deux cas, ne te sèche pas. Tu ne te sèches pas. C'est la ménagère. Tu ne te sèches pas. Ok? Tu restes comme ça. Tu laisses ça sèche sur ton corps seul. Ça sèche. Maintenant, tu pars, tu t'habilles. Avant de t'habiller, si ceux qui ont acheté les kits chez moi, dans mes kits, il y a toujours, vous allez voir qu'il y a toujours le sel de lavage, il y a le gel de lavage, il y a l'huile pour se oint. Quand tu finis, tu dois te oint avec l'huile. L'huile, c'est pour couronner ce que tu viens de faire. C'est pour top up ce que tu viens de dire avec la puissance, la présence du Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, la présence du Saint-Esprit était représentée par l'huile. Quand on voulait oint de quelqu'un, quand on parle d'un son, là, c'est l'huile, non? Tu prends l'huile comme ça, tu mets sur ton front. Qu'aujourd'hui, toute personne qui pense à moi, qui regarde ma photo, tu vas me donner la faveur au nom de Jésus. Toute personne chez qui je n'ai pas demandé le boulot, n'importe quoi, je n'ai pas vendu mes produits, tu vas me donner la faveur. En mangeant le nom là, tu dis que toute personne à qui je parle aujourd'hui, mes paroles là, tu écoutes et tu acceptes ce que je demande. Mon mari, tu vas avoir la faveur, j'ai la faveur avec toi. Vous ne faites pas ça sur vos maris. Les femmes, les autres, il y a les tisas dehors. Les tisas me suivent. Il y a les tisas qui font le nom sur vos maris. D'accord, bon, c'est ça. Il y a le kit de déblocage plus. Non, ce kit est un parfum contre la sorcellerie. Il y a aussi
le miel de commandement, pour que vous restaurez la puissance de votre bouche. Donc, ces kits-là, vous pouvez les avoir au numéro que je viens de dire. La reine Denise, tu ris. Vous pouvez les avoir au numéro que j'ai cité plus tôt, ou en haut de mon direct, vous avez ça. Donc, les numéros du Cameroun, 00237 680 71 0701. Les numéros du Gabon, 0741 80 080. Deuxième numéro du Cameroun, 00237 693 50 22 66. Il y a un numéro d'eau encore. Vous avez Nantes, vous avez Paris, vous avez tout ça. Faites votre travail spirituel. Il y a les bâtons de commandement que beaucoup d'entre vous voulaient acheter les bâtons depuis. Offrez même ces bâtons-ci à vos gars, à vos chéris là. Tu prends ça là, tu pries dessus, tu prends l'huile d'olive là, tu mets dessus, tu prends, tu bénis ce bâton. Et comme tu parles avec le bâton, c'est comme ça là. Personne, Kafa Chloé, je ne vais pas te dire comment utiliser le jujube. Tu as compris? Si toutes les recettes que tu as, tu ne peux pas utiliser, tu laisses. Tu as compris? Il te bloque même en plus. Voilà. Offrez les bâtons de commandement à vos chéris. Ça peut entrer dans sa mallette. Regarde-moi, c'est cool. Là, il met à côté de ma tête, c'est tout petit. Il m'a fait le petit format. Vraiment tout petit. Et vous pouvez aussi, vous les femmes, j'ai fait court pour que tu peux mettre dans ton sac de voyage. N'achetez pas seulement un bâton de commandement. Parfois, tu veux voyager, tu oublies ton bâton. Le bâton, ça va tirer partout. Donc, tu peux avoir même trois bâtons de commandement. Tu mets un dans le coffre de la voiture. Tu mets un dans ton sac à main. Vous savez que les femmes ont tous quatre sacs de main. Tu mets dans plusieurs sacs. Voilà. Donc, bâton de commandement, là, ça contient. Premièrement, ça a été béni par moi. Ok? Et vous connaissez ma puissance là. Parfois, vous faites écouter les audios, c'est là des démons qui parlent que oh, la reine ne me tue pas. Ne me tue pas. Il ne faut pas que la fille devienne riche. Parce que quand elle a écouté ma vidéo, elle a fait le lavage, comme j'ai dit. Ok. Ce bâton de commandement, d'abord, ça éloigne les mauvais esprits. Si tu as, c'est fini, non? Oui, mais fais poste ici, c'est tout. Tu prends le lien, personne qui s'est associé à ton direct. Il n'y a pas de problème, vas-y. Coupe le volume maintenant. Ah, je ne sais pas comment enlever. Tu arrêtes juste, c'est tout. Tiens. Cette personne intéressante. J'ai vu ses cheveux. Donc, voilà le bâton de commandement, comme je dis. Ça éloigne les mauvais esprits. Ça donne le courage. Il y en a même que quand parfois tu es dans une salle d'audience, une femme m'a dit l'autre jour qu'elle arrivait à la réception d'un hôtel ou je ne sais pas trop. Elle avait le bâton en main. Elle est arrivée. Elle est arrivée. Bonjour madame, je veux telle chose. Elle dit que la femme, elle la regarde. Elle regarde le bâton. Elle la regarde. Elle regarde le bâton. Elle dit, ok, vous voulez quoi? Elle lui a donné ce qu'elle voulait. Donc, du côté spirituel, la matière avec laquelle le bâton est fait, ça éloigne les mauvaises ondes. Vous allez voir que vous trouvez très souvent l'ébène dans les maisons des riches. Parfois c'est en forme de tableau, parfois c'est en forme de décoration sur la table. Parce que ça enlève les mauvaises ondes de la maison. Parfois quand il touche mon osé, ça enlève la puissance de ça, comme c'est dans ma main là. Je ne vais pas vous mentir. Parfois aussi, le bâton de commandement, tu peux utiliser pour soigner. Juste pour vous soigner. Tu peux avoir un problème sur ton corps, ton enfant a un problème quelque part. Tu prends, tu le poses sur l'endroit de la personne. Tu pries. Il y en a parmi vous. L'esprit vous a même déjà dit d'acheter le bâton depuis longtemps. Je parle du nombre de personnes qui ont déjà rêvé, que j'ai rêvé que tu me donnais le bâton. Ils achètent le bâton, maman. La main où il y a le bâton, c'est ça, commence en train de s'activer, en train de vibrer. La personne, elle dit que quand elle a reçu son bâton, dans la nuit, elle dit qu'elle a coupé la tête des gens dans le rêve avec le bâton. Que telle personne vient m'attaquer dans le rêve, j'ai coupé. Une personne voulait kidnapper mon enfant, j'ai coupé sa tête avec le bâton. Le bâton, c'est à sa puissance, ça a sa place. C'est vrai qu'on vous appelle les paradis sorciers, mais on s'en fout. Vos maris, vos ex, on a hâte dans votre famille, elle est devenue sorcière. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ceux qui vous accusent, ils partent chez les sorciers. Ceux qui vous accusent là, ils partent, ils connaissent déjà. Ce que vous voyez aujourd'hui là, ils connaissaient ça depuis 10 ans. Mais ils ne vous ont pas dit. Maintenant, tu commences à te libérer, ça les énerve. Merci la reine Clémence. Ça les énerve. Fais très attention, hein. Ta petite soeur qui part chez Marbou depuis longtemps, elle ne t'a jamais dit. Voilà, comme tu es bête, tu découvres ma page. Et,
Tu vois la femme ici, là. Elle connaît tout ce qu'elle montre là. Aïe, aïe, aïe. Elle confirme le code sur les gens. Bon. Je vous ai montré tout aujourd'hui. On va continuer. Je vais. Les principes du succès, là, je vais enseigner encore ça demain. Donc, passez vos commandes. Les lavages aussi, ceux qui veulent les vérités. Monsieur, tu dis vérité. Ceux qui veulent le lavage aussi, vous pouvez faire le lavage. On va faire le lavage aujourd'hui à 12h. Le lavage peut être nécessaire. Pourquoi? Peut-être ton enfant est bête à l'école, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu dis que peut-être tu es arrivé, que tu as trouvé un diamant, on te poursuivait. Beaucoup d'entre vous, il y a des gens qui prennent déjà votre étoile. Beaucoup d'entre vous êtes censés être riches depuis longtemps. Mais il y a des gens qui sont assis sur votre richesse depuis. C'est pour ça que tu as un truc, ça va avancer, après ça s'arrête. Un gros contrat que tu as signé, pop, ça s'arrête. Donc le lavage aide aussi pour ça. Ça aide aussi pour ça. Peut-être ton mari n'a pas de promotion au boulot depuis. J'ai eu les témoignages comme ça. Une femme qui a eu, elle a lavé son mari. Il y a demain qu'on lave son mari. On le lave, pas en promotion au boulot. Oh, les choses sur lesquelles on l'enlevait souvent, on le met. Il travaille sur un projet. Dès qu'il faut, on veut donner les promotions, on l'enlevait d'abord. Maintenant, on le reconnaît pour ça. Il y a encore quoi? Peut-être toi-même, tu as peut-être une application. Tu passes au tribunal ces jours-ci. Ou bien encore, tu sens que là où tu es là, tu es bloqué. Tu vois, ta vie ressemble à la vie de ta mère qui n'avait pas avancé elle-même. Il te faut faire un lavage de fondation. Donc, il y a lavage attirance, lavage de déblocage, lavage de fondation. Il y a des personnes qui se sont abonnées, ils font le lavage chaque mois. Chaque mois, je dois faire un lavage. Il y a le lavage d'ouverture du mois. Il y a le lavage même pour les couples. Les gens que on vous a bloqué, le genre, depuis 5 ans que vous êtes ensemble, vous voulez vous marier, ça ne se passe pas. Tu veux le lavage pour ça, pour permettre que l'union se passe. Il y en a parmi vous qui font seulement que touche ta photo. Je touche seulement. Toi-même, tu vas voir. Il y a une femme qui a, il y a une femme qui a lavé sa mère. Elle n'a pas dit à sa mère. Elle dit que le lendemain, les frères et soeurs de sa mère commencent à venir s'excuser. Oh, oh. Maman, ouais, on est désolé. Elle dit, sa mère ne connaît pas qu'elle a été lavée. Parce qu'on la voit très mal dans la famille. Donc, on commence à s'excuser. S'excuser. Bonjour, mes abonnés du lavage mensuel. Là. Je vous connais, je vous vois, je vous vois. Maman, le bâton, c'est la puissance. Depuis qu'elle touche à mes mains, ne font que. Mamma mia. Il faut avoir vos outils spirituels. Et il y en a parmi vous. J'ai une reine qui est venue me voir l'autre hier à Libreville. Une reine là. Elle me dit en fait que ce que j'enseigne, avant, elle connaissait, mais elle ne faisait pas. Maintenant, depuis qu'elle me suit, elle est venue, elle a pris des kits et tout ça. Maintenant qu'elle me suit, elle a commencé. Et elle dit que c'est naturel chez elle. Je lui dis que mamie, elle est partie à l'eau. Avant, elle est partie à l'eau. Dès qu'elle a mis les pieds dans l'eau, maman, les vibrations. Alors qu'elle avait envie de Libreville depuis longtemps. Mais c'est pas, elle ne connaissait pas qu'il fallait qu'elle parte se connecter avec la mer. Écoutez, beaucoup d'entre vous êtes des apprentis sorciers. Il y a plein de choses en vous. C'est maintenant que c'est en train de s'ouvrir. C'est en train de s'ouvrir. Le lavage coûte 33 800. Vous avez compris, 33 800, 800 francs CFA. 50 euros, 55 dollars. Pas moins. Vous pouvez envoyer plus si vous voulez. Mais pas moins que ça. Tu envoies moins que ça, ne te lave pas. Oh, you are. Voilà. Il y en a qui prennent même deux lavages. Il fait le lavage fondation, lavage déblocage, lavage fondation, lavage attirant, ça dépend. Ok. Bon, je pense que je vous ai donné beaucoup de choses ce matin. Je suis en retard de 30 minutes pour ma réunion. Tout va bien se passer. Une fois que vous avez écrit sur le papier ce que vous voulez, vous avez déclaré. Laissez maintenant l'esprit vous révéler. Laissez que ça vienne. Le bâton de commandement au Cameroun, c'est 15 000. Mes bâtons bénis par mois. Pour le mois, c'est 15 000 en attendant que ça monte. Mes produits augmentent toujours, ça n'a jamais en arrière. Au Gabon, c'est 18 000 francs CFA. Et aussi les cannes là. Les cannes de 90 cm. L'autre là, c'est 30 000. Voilà. Je vous bénis. Je bénis vos idées. Je bénis votre travail. Je déclare
Aucune âme. Ceux qui ont le bâton, prenez le bâton là, vous mettez un peu sur votre tête aujourd'hui. Vous mettez dans votre sac à main en marchant. S'il y a une douleur quelque part sur ton corps, tu peux aussi mettre sur la douleur. Vous connaissez seulement vous plaindre. On vous donne les solutions, vous ne les faites pas. Oh, telle personne me poursuit, telle personne me fait ça. Prends le sel, tu te laves avec. Achète-moi un produit, tu ne fais pas. Tu parles. Prends ton pipi, tu te laves avec, tu ne fais pas. Il va tout continuer à vous poursuivre, non? Hein? À chaque problème, il y a la solution. Soupe, je suis devenu marabout, tu as compris? Soupe. J'aime quand on me dit ça. Attends, avant que je supprime. Quoi? Je suis devenu marabout. Jusqu'à. Je suis devenu marabout. Et tous les gens qui visitent les marabouts, ils vont venir me dire ceci. Ils me suivent, hein? Ils me suivent. Audrey, tu es pauvre. Regarde d'abord ta photo de profil. La pauvreté n'est pas bien. Oh. La pauvreté n'est pas bien. Hein. Et Stéphane Kensa, tu ne fais pas tout ce que tu dis là d'abord. Je vous donne les astuces que tu n'as même pas besoin d'acheter un de mes produits. Je donne même ce que tu as besoin d'acheter mes produits, tu ne fais pas. La pauvreté n'est pas bien. Ça fait, tu viens dans les directs déjà le matin pour... Tu peux me suivre, ma chérie. Je prie au nom de Jésus, tu dis Amine. Tu as compris? Tu dis Amine. Ça va te soigner. Les affaires de religion, là, ils sont comme ça. C'est le même créateur qui sauve. Seulement que moi, j'utilise Jésus-Christ. Donc si ça te guérit, c'est bien. Ce sont les fanatiques de religion qui sont allés diviser. Que toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Toi, tu es cela. Si ma richesse dérange quelqu'un qui quitte ma page, vous avez suivi, je ne m'excuse pas. I don't excuse myself, you know. I'm not afraid of you. I'm not ashamed. I'm not. Ils aiment que vous soyez dans le noir. Ils aiment que vous... Oh, écoutez, arrêtez. Arrêtez de leur faire plaisir. Vous vous appelez sorcier depuis, acceptez que je suis sorcière. Oui, je suis sorcière. Mais une sorcière qui a l'argent. Une sorcière que vous ne pouvez pas tenter. Vous ne pouvez pas tenter. Vous ne tentez pas. Le roi Mohamed, si tu rêves que tu imposes les gens, ça veut dire que tu as les dons spirituels. C'est en train de se révéler. Il y en a parmi vous aussi, vos dons sont en train de se réveiller. Ça dormait depuis. Depuis 20 ans, tu crois que tu n'es rien. Alors que tu as les dons de guérison. Tu as aussi le don d'argent. Karine, tu envoies ta photo à la représentante de Côte d'Ivoire. Ok? Elle va m'envoyer ta photo et tu lui envoies les sous. Le lavage en Côte d'Ivoire, c'est 35 000 francs, c'est pas. Tu envoies ta photo, tu envoies ton argent. On va te faire ton lavage. Bonne journée. Allons pointer l'argent, allons pointer, allons chercher l'argent. Les jaloux vont mourir, mais on va pas chercher l'argent. Allons, allons, allons. Je m'avance, suivez-moi.